刚才我们真的是去到了不少的地方啊。在德国法兰克福正在实施严格的疫情封锁限制令，但法轮功学员获得授权可以举办一整天的庆祝活动，真是令人印象深刻。法兰克福这个美丽的城市我真的喜欢，因为我在那边生活过20多年。那么我们现在回到刚才的新闻，其实加拿大有好几个城市升起祝贺大法日，也很棒，也印象深刻。一些政要朋友也加入了法轮功学员的庆祝活动。其实每年的世界法轮大法日都有世界各国的政要发出贺信褒奖，向当地的法轮功学员致以节日的祝贺，感谢并颂扬李洪志先生将真善忍的普世价值观和法轮大法红传世界。Je suis particulièrement heureux de m'exprimer aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Monsieur Li, fondateur du Falun Gong, à qui je dis joyeux anniversaire, Monsieur Li. Cette journée est importante, mais le Falun Gong est important, et je voudrais dire Falun Dafa est vraiment bien. C'est la vérité, la bienveillance et surtout la tolérance. Falun Dafa Ao Zen. Je tiens à apporter mon soutien à la journée du 13 mai, journée du Falun Gong, à l'occasion du 29e anniversaire de cette pratique. Je salue également les valeurs qui sont promues, l'authenticité, la bienveillance et la tolérance, qui sont des valeurs humaines fortes dans lesquelles on peut se retrouver, quelle que soit sa croyance. En vue du 13 mai, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire au Falun Gong et à son fondateur, Monsieur Li. Le Falun Gong est un mouvement qui défend l'authenticité, la bienveillance et la tolérance dans un monde où le matérialisme omniprésent prône une réduction de l'être humain à son pur intellect, où l'esprit est déconnecté de l'âme. Heureusement qu'il existe avec le Falun Gong un mouvement qui prône l'équilibre entre ces deux composantes essentielles de l'être humain. 最佩服咧，你哋法輪功學員咧，就係你哋嘅真善忍啦，嚇。咁咧就係特別個忍耐，嚇，忍耐好犀利。咁你哋嘅受苦咧，就係即係將個成就好大嘅意義。Also zum 13. Mai, dem Tag von Falun Gong, grüße ich erstmal alle Anhänger von dieser Bewegung in China und auf der ganzen Welt. Und ich freue mich darüber, dass die chinesischen Menschen eine Methode erfunden haben oder aus ihrer alten Tradition entwickelt haben, dass Menschen körperliche Entspannung finden können. Und Dankeschön, dass auch wir davon profitieren können. I want to thank you and congratulate all Falun Dafa practitioners for their immense and irreplaceable contributions to the whole community's health, happiness, welfare and progress. And also to your defense and promotion of the highest ethical beliefs and practices in all of the accumulated wisdom of civilization. I want to wish you a happy Falun Dafa Day. It has been a great pleasure for me over the course of my time as a member of parliament to get to know the Falun Gong community here in Canada and elsewhere. Your commitment to compassion, truthfulness, and forbearance in the midst of very challenging circumstances has been an inspiration to me, and I know to many others who have witnessed. I wish you very well. Your compassion, your truthfulness, your principles and your morals are wonderful attributes to all of you practicing Falun Dafa and part of the Falun Dafa movement. They are wonderful principles for yourselves, but also for the rest of us to share. And I've appreciated its foundational values of truth and compassion and tolerance, which underpin both ancient Chinese values and reflect indeed universal values.